printemps. Et Hawk, vite, vite, dépêche-toi. Il va y avoir un nouveau Dragon Age. Quoi? C'est pour ça que tu m'as fait courir? J'ai même pas eu le temps de m'équiper. C'est Dragon Age Inquisition, ça va être trop bien. Il va y avoir une super aventure, ça va être épique. Ah, tu veux dire comme la précédente? L'histoire où je suis un immigré politique qui, pour survivre, doit soit voler, soit tuer. C'est bien, au moins ça renforce pas les clichés racistes. Heureusement, je ne suis pas roumain ou route ou court. Ouais, mais il y avait un monde génial, super étendu, avec plein de contrées à explorer. Tu parles, il y avait 5 minimaps différentes complètement vides. Même les bombes devaient s'entasser dans une même grotte. Non, mais c'est vrai, dans cette grotte, tu avais la guilde des voleurs de je ne sais plus où, un dragon millénaire et une horde démoniaque. Tout ça dans 10 mètres carrés de grotte. Il y a des étudiants à Paris, ils sont mieux logés. Oui, mais à part ça, il y avait un super roleplay avec choix multiples et tout. Et en plus, il y avait la possibilité d'avoir une vraie relation avec les PNJ. Ouais, le seul problème, c'est que pour la modélisation des expressions de visage, ils ont pris les acteurs de Twilight, et pour le doublage, ils ont embauché les acteurs de Plus belle la vie. Oh mon Dieu, ils ont tué mon fils. Quelle épidémie. Je ne sais comment je pourrais m'en remettre. C'est terrible, mère. Ils paieront pour cela. Je vengerai sa mort, même si je dois aller jusqu'en enfer pour cela. Bon, ok, tu veux faire ta sale tête. De tout, t'es pas dans le casting, hein, c'est Larry qui me l'a dit. Comment ça? Tu vas pas me dire qu'ils ont gardé le nain et ils m'ont viré? Si, yeah. Puis, de toute façon, je croyais que tu voulais pas y aller. Oui, mais non, c'est pour le principe. Je m'en vais leur dire deux mots. Et on parle en haut de travail.